Bonjour et bienvenue à Suivez-moi, la seule émission qui passe en revue les publications des personnalités connues du web. Contente de vous retrouver pour une sixième saison en direct de ma maison. Aujourd'hui, on rencontre et on discute avec Olénie Pelletier, coach professionnel certifié et entrepreneur depuis 17 ans. Elle est danseuse professionnelle et chorégraphe. Et on l'a vu dans l'émission « Célibataire à bout » comme spécialiste en relations interpersonnelles. Depuis ce temps-là, elle est suivie par des milliers pour ses trucs et astuces sur l'amour et surtout sur la séduction. Bonjour Olénie, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Alors, on t'a vu à « Célibataire à bout », mais ton cheminement ne commence pas à « Célibataire à bout », ça a commencé bien avant. N'est-ce pas? Bien avant, quand tu étais enfant, tu voulais connecter avec les gens et tu l'as fait à travers la danse. Peux-tu me dire ce parcours-là? À travers la danse, ça a commencé, j'ai commencé à danser très, très jeune. Puis au début, c'est sûr que si on essaye des styles, c'est pour le plaisir. Puis à un moment donné, en poussant plus, ça a été beaucoup pour partager mes émotions, mon vécu en mouvement et aussi pour partager ma vision du monde. Parce que la danse, c'est quand même un art, donc c'est l'expression de une idée dans le corps en mouvement ou dans une chorégraphie. Donc ce besoin de connecter là, il allait au-delà du humain à humain, ça allait vraiment pour être capable d'utiliser une voix pour partager un message. Je savais que j'en avais une. Mais dans ce temps-là, j'ai commencé à le partager par la danse avant de justement aller faire autre chose plus vieille. Comment tu t'es exprimée à travers la danse? Ça a été par la chorégraphie, ça a été par l'enseignement, ça a été par le fait de prendre une émotion puis de la transposer en mouvement dans le corps parce que j'avais une certaine difficulté à les exprimer en parole et à les partager. Je vivais une certaine honte au côté hyper sensible quand on se met à pas bien filer, là, comme on peut dire. Mm-hmm. Mais dans ce temps-là, j'étais souriante puis bubbly, je le suis encore, mais je m'attachais beaucoup à ce masque-là. Donc, je me donnais pas le droit d'exprimer cette sensibilité-là à 100%. Alors, je la transposais en mouvement. Après la pause, on va continuer à te parler plutôt de tes connaissances en tant que coach en séduction. Vous écoutez, suivez-moi sur les ondes de TV Rogers et aujourd'hui, on rencontre Olénie Pelletier, qui est une coach et elle est surtout reconnue pour être une coach de séduction. Dernièrement, j'ai entendu une balado qui expliquait comment c'est vraiment difficile pendant cette période de pandémie de rencontrer quelqu'un. Tu t'y connais. Peux-tu m'expliquer comment la pandémie, est-ce qu'on peut rencontrer quelqu'un? Oui, je pense que oui. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a tout ce concept-là aussi de temps qu'on doit plus s'accorder, tu sais, par rapport aux deux semaines. Puis, il y a aussi un concept d'exclusivité aussi que je crois qui mérite d'être plus développé dans les fréquentations pour être en respect avec les mesures sanitaires puis avec l'écologie aussi de notre mode de vie au travers de ça. Tu sais, si on est quelqu'un qui voit ses parents ou quoi que ce soit, tu sais, il y a tout ça. Alors, je trouve l'art de la séduction est poussé à un autre niveau, puis les gens doivent la développer parce que là, en plus, on se texte, on se parle par vidéoconférence pendant un certain moment, puis ensuite de ça, on va à une rencontre. Et cette rencontre-là, au début, c'est pas, idéalement, on saute pas un sur l'autre en partant, là, tu sais, il y a comme toute une stratégie de confiance. Après ça, un rapprochement tranquillement progressif, puis il y a un deal aussi à avoir que je trouve important, pas nécessairement un deal, comment je pourrais dire ça en français, une entente entre les deux quand on s'intéresse de dire, OK, vu les circonstances, il y a un certain rapport à l'exclusivité qu'on doit développer si on veut apprendre à se connaître. Question de justement pas arriver avec le virus au moment donné parce que la personne que tu rencontres en fréquente 3-4. Mm-hmm. Donc, il y a l'authenticité puis il y a l'honnêteté qui doit être mise sur la table. Alors, ça peut être difficile de rencontrer dans une culture où est-ce que c'était plusieurs à la fois, que l'authenticité n'était pas mise de l'avant, que l'honnêteté, elle était fragile. Alors, il y a tout ça à travailler, mais c'est possible de rencontrer et je pense que ça peut être encore plus durable et intéressant
dans ces circonstances-là. Pourquoi tu penses que ça pourrait être plus durable? Est-ce que tu nous dis que c'est possible avec certaines techniques? Et si oui, quelles seront les techniques pour les gens qui nous écoutent que tu pourrais leur donner pour pouvoir rencontrer des gens présentement pendant la pandémie? Mais les techniques, je veux dire, avec les réseaux sociaux, les sites de rencontres, bon. Chose à dire là-dessus, un site de rencontre, c'est pas fait pour rencontrer quelqu'un. C'est plate, mais pour qu'un site fonctionne comme Tinder ou Badoo et tout ça, le but, c'est pas du tout que tu finisses par tomber en amour, sinon il n'existerait plus. Donc, il y a une histoire à modérer là-dessus aussi. De pas avoir 4-5 applications, parce que ton cerveau finit par enregistrer un rush de dopamine dès que tu swipes et tu as un match. Fait que tu es toujours à la recherche de ça. Donc, ça va pas t'amener à avancer. Donc, premièrement, si on choisit un qui te convient, et tu swipes pas 50 personnes, je me souviens plus si c'est droite ou gauche, là, mais tu vas pas liker ou aimer 50 personnes d'un coup juste pour avoir ce rush de dopamine-là. De vraiment être sélectif, être dosé pour pas habituer ton cerveau à devenir accro à un match. Parce que ça va t'amener à un certain désengagement. Donc, premièrement, commence par ça. Puis, de développer avec une personne à la fois, de prendre ton temps au niveau de l'écrit, au niveau du vidéo call, si tu trouves que c'est intéressant. Puis après, de développer au niveau des rencontres en personne aussi, une étape à la fois. De vraiment retourner à un art de séduction 1950, mais avec une technologie du futur. J'aime ça parce que moi, je suis un peu haut du coup quand ça vient à ça. Et avant de retourner à la pause, j'aimerais ça savoir, toi, pendant la pandémie, comment tu la vis, cette pandémie-là, en sachant qu'on doit utiliser toutes ces stratégies-là et tout ça en ligne? Comment je la vis en tant que coach ou en tant que célibataire? En tant que personne célibataire et coach. En tant que coach, je trouve ça le fun parce que je peux vraiment rejoindre plein de gens parce que tout le monde est branché. Puis au niveau de mes séances, les gens ne sont plus frileux à aller sur Zoom. Fait que je peux être autant avec des gens des États-Unis en séance, de la France, d'un peu partout dans le Québec que dans ma propre ville. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En tant que personne célibataire, écoute, ça m'amène vraiment à avoir de l'introspection parce que j'ai pas de distraction extérieure d'aller dans un restaurant m'amener flasher sur quelqu'un. Tu sais, je peux pas tomber dans l'idée d'en prendre une coupe à fois puis de faire une sélection après. Donc, j'ai le temps d'arriver à l'introspection que je veux, qu'est-ce que je veux pas, et de vraiment analyser un peu les comportements de l'autre avec beaucoup plus de recul pour voir si la dynamique me convient. Tandis que la vie en général, comme elle était, sans COVID, ça va tellement vite que souvent on finit par des vieux patterns à la place parce qu'on est confortable puis qu'on a tout le reste autour qui va super vite. Et qu'au lieu de prendre le temps de voir ce que ça me convient pas, dès qu'on ressent quelque chose de le fun, on embarquait, tu sais. Ouais. Après la pause, on va en parler davantage de ça parce que c'est la réalité puis c'est la réalité pour bien du monde en célibataire. Restez là. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et aujourd'hui, on a Olénie Pelletier avec nous qui nous parle de séduction en période de pandémie. Olénie, selon toi, moi je suis célibataire, tu es célibataire, il y a des milliers de célibataires. Qu'est-ce qui va arriver après la pandémie? Est-ce que tu penses qu'il y aura plus de personnes en couple ou moins de personnes en couple? Pourquoi tu ris? Moi, là, j'imagine d'un troupeau de bœufs que tu as dans un enclos, là, puis qui veut vraiment partir en courant, puis dès que tu ouvres les portes, ça fait comme c'est vraiment ça que c'est parti dans ma tête. Je suis un peu créative dans tout. Mais je pense que ça va être la folie. On l'a vu cet été. Cet été, quand il y a eu un déconfinement, les taux de MTS ont augmenté de 70%. Wow! Oh que oui! Ça, je l'ai dit à l'émission Célibataire à bout, j'en avais parlé. C'était vraiment fascinant, ça a fait comme boum, parce que les gens, là, c'était « OK, let's go, là. » C'est vraiment un gros « let's go ». Est-ce que les gens vont plus être en couple? Là, je pense qu'il va y avoir, on a deux choix. On va avoir ceux qui vont comme juste avoir un step back, selon moi, puis qui vont continuer un rythme, qui ont pris un rythme, justement, comme je parlais d'introspection et tout. Puis, il va sûrement avoir l'autre catégorie
qui est tellement dans un manque de connexion qui va peut-être, oui, aller en couple rapidement, mais est-ce que ça va durer? À chaque fois qu'une relation est basée sur un manque, dès que le plein arrive, il y a une déconnexion. Donc, c'est très rare que ça dure. C'est intéressant que tu dises ça parce que tu es une coach de vie, tu es une coach de séduction, tu es une coach en affaires. Puis tu as lancé dernièrement un nouveau programme en ligne. Peux-tu nous parler davantage de ton nouveau programme? C'est un programme version 2.0 qui modélise ce qu'on appelle une capacité, donc une force. Mais tout peut être bon pour tout le monde. On s'entend? Alors, c'est le premier, c'est la confiance en soi. Donc, tu as 14 jours pour développer et incarner la confiance en soi avec vraiment des outils qui fonctionnent, qui sont ajoutés à ton quotidien pour créer une programmation mentale. Puis, tu as des vidéos avec moi qui t'accompagnent à tous les jours. Je m'appelle Olénie Pelletier, je suis coach professionnelle en programmation neurolinguistique et en 2021, je m'engage à t'accompagner vers une version 2.0 de toi-même. Et est-ce qu'on peut te rencontrer virtuellement également? Est-ce que tu donnes du coaching un à un pour supporter des gens qui ont besoin d'un accompagnement plus serré? Ben oui, donc je suis soit en programmation neurolinguistique ou en séduction, mais c'est sûr et certain que je mets la programmation neurolinguistique dans mon coaching de séduction parce que c'est une programmation aussi pour aller dans la séduction puis la compréhension de l'autre personne aussi. Alors oui, les gens peuvent venir me voir en privé, ça peut se booker par mon site, par mon Instagram, mais j'offre les séances de 1 heure, 1 heure et demie sans problème. Et qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre dans un programme avec toi? Ceux qui s'écoutent puis qui disent « j'ai besoin d'un programme avec toi », à quoi ils peuvent s'attendre? Tu parles d'un accompagnement avec moi en privé? Oui. Dans le programme, oui. Écoute, ça va être la cohérence et l'alignement dans ton être. Moi, ce que je vise quand j'ai un client, c'est que mon client devienne autonome émotionnellement afin d'être un humain libre. À 360, libre dans son corps, libre dans sa tête et libre dans ses émotions, d'être capable d'être autonome pour vraiment être en contact avec la meilleure partie de lui-même pour être lumineux à 100% puis contribuer à un monde meilleur, carrément, avec toute sa beauté. Donc, je vais aller viser tous les petits points où est-ce qu'il y a des petits cheveux qui sont pris dans le tuyau. On va enlever ça pour que circulent les mauvaises croyances. Oui, exactement. On enlève les mauvaises croyances, on en met des nouvelles, on colle avec les valeurs, on transforme les comportements. C'est vraiment un beau processus. Après la pause, on va parler de qui tu suis sur les médias sociaux, puis aussi de tes applis préférées. Vous écoutez, suivez-moi. Aujourd'hui, nous avons Olénie Pelletier, coach de séduction. Et moi, j'aimerais ça savoir, une coach de séduction, elle suit qui sur les médias sociaux pour s'inspirer? Bon, c'est pas en séduction, parce que les trucs de séduction sur les réseaux sociaux, je les trouve un peu cheesy. Je vais plus aller suivre des gens qui vont être dans le développement personnel, la reconnexion à soi. Donc, j'aime beaucoup Isabelle qui a la compagnie Mujo, qui s'en va beaucoup dans la simplicité. Je la trouve vraiment inspirante. Je vais aussi voir Brené Brown, qui est une auteure américaine, puis une femme qui recherche énormément, qui fait énormément de recherches sur les émotions et sur la notion de vulnérabilité chez l'homme et chez la femme. Donc, c'est extrêmement intéressant à suivre. J'aime beaucoup Tony Robbins pour aller voir toute sa masculinité aussi, sa force, mais capable d'avoir une vulnérabilité au travers ça. Donc, je prends des gens qui vont m'inspirer en tant qu'homme et en tant que femme pour voir eux comment ils vivent, comment ils partagent, comment ils communiquent aussi, parce que c'est des gens souvent qui ont des vies vraiment complètes avec des maris ou des femmes, puis qui ont réussi à passer à travers plein d'épreuves en relation. Donc, ça devient des beaux exemples de modélisation à amener à mes clients lorsqu'ils ont des difficultés, soit relationnelles ou entrées en relation. OK. Et tu parles de difficultés. Quelles sont les plus grandes difficultés, à part le fait qu'on est en confinement pour rencontrer, mais les difficultés les plus récurrentes dans les couples? La communication.
On a trois canaux de communication principaux. On a le visuel, l'auditif et le kinesthésique qui est le corps. Donc, quelqu'un qui est visuel va montrer son amour en donnant des cadeaux. Quelqu'un qui est auditif va l'exprimer en disant « je t'aime, je m'ennuie de toi ». Quelqu'un qui est kinesthésique dans le corps va vraiment toucher ou faire des actions. Mettons, ton chum va réparer ton lave-vaisselle, va changer tes pneus d'auto ou va être très colleux. Donc, quand on commence une relation, nos trois canaux de communication sont égales. Puissance 2000 pour séduire l'autre. Mais après quelques mois, c'est notre prioritaire qui prédomine. Alors, c'est là qu'il y a un flash. Quand on dit, hey, c'est plus pareil, j'ai plus les papillons, plus le trip d'hormones, puis tu n'as plus l'effet pan, que toutes tes plumes de pan qui sont tous tes canaux de communication à on. Alors, c'est là qu'il faut voir c'est quoi le canal de un, c'est quoi le tien, pour que vous soyez capable de vous comprendre puis d'apprivoiser le langage de l'autre. Moi, je trouve qu'il y a des couples qui se rencontrent, il y a l'amour fou, puis dans 2-3 mois, ils sont plus ensemble. Alors, je trouve que c'est très éphémère. Oui, ça dépend de ta porte d'entrée, parce que l'amour durable, c'est l'amour passionnel mixé avec l'amour intime, puis avec l'engagement. Ça, c'est la formule pour un amour durable. Si la porte d'entrée, c'est l'amour passionnel, mais vous devez développer une intimité, donc complicité, tout le kit comme une amitié, puis vous devez développer une notion d'engagement pour que ça dure, donc des projets à long terme puis des engagements. Si c'est juste passionnel, ça va être le boost d'hormones puis le drop d'hormones. Si c'est on arrive juste amour intime, ben c'est la même chose. La porte d'entrée, c'est l'intimité, ben il faut développer la passion, l'engagement. Si la porte d'entrée, c'est l'engagement, il faut développer la passion, l'intimité. Alors, les gens que ça ne dure pas, c'est qu'il n'y a pas eu le travail des trois, parce que les trois stimulent des choses différentes dans le cerveau. Puis l'amour, c'est un rush d'hormones pour les relations aussi. Fait qu'il faut que ça soit équilibré dans ces trois déclenchements hormonaux-là. Wow! Très bien résumé. On revient après la pause, puis on parle avec Olénie Pelletier encore de tout ce qu'elle connaît sur l'amour et la séduction. Vous écoutez Suivez-moi, et aujourd'hui, on est avec Olénie Pelletier. Elle nous a parlé et donné plein d'informations sur la séduction, puis aussi sur les portes d'entrée des relations. Qu'est-ce que tu veux dire par porte d'entrée? Parce que je trouve que, moi, je l'ai compris, mais il y a du monde, d'autres qui m'ont dit un porte d'entrée, c'est quoi? C'est-tu le premier contact que tu as avec la personne que tu as un intérêt avec? C'est plus toi, comment tu fonctionnes pour vouloir entrer en relation, puis par continuer une relation. Alors, si toi, t'es quelqu'un de très passionné, que t'as besoin de vivre les papillons, puis d'admirer l'autre, le voir dans ta soupe, c'est amour passionnel. Si toi, t'as besoin de développer une complicité, de rire, de développer une amitié avec la personne avant de penser à aller plus loin, c'est l'amour intime. Si toi, quand tu recherches quelqu'un, la première chose que tu dis, c'est « OK, je veux 2 enfants, puis je les veux dans les 3 prochaines années, et je veux absolument m'acheter une maison dans 1 an », bien ça, c'est l'amour-engagement qui est le premier pour toi. Alors, c'est quoi ta porte d'entrée? Ben oui, c'est important de savoir, parce que ça peut vraiment limiter beaucoup de déceptions quand tu reconnais ta porte d'entrée. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas avant aujourd'hui, en t'écoutant, leur porte d'entrée. Est-ce que c'est possible d'en avoir 2 portes d'entrée quand on rencontre quelqu'un, tout dépendant, on s'ajuste selon la personne qu'on rencontre? Oui, je prends un exemple. L'exemple serait, je vois un gars, il a l'air d'un gars sérieux, tu sais, il est bien casé. Quand je dis casé, il a sa maison ou un appartement, tu sais, il a l'air d'un bon parti. J'ai plus tendance d'être sérieuse avec ça, avec cette personne-là. Tandis qu'il y a une autre personne, il a l'air d'avoir, on peut avoir bien du fun, peut-être pas sérieux, alors j'ai des différentes optiques. Mais ça dépend de ton objectif. C'est sûr et certain, parce que comme l'amour durable, comme j'expliquais plus tôt, c'est l'amalgame des trois. Alors, c'est sûr que les trois vont faire partie. La porte d'entrée, c'est quoi qui va te faire vibrer plus quand tu vas entrer en connexion avec cette personne-là? Donc, oui, toi, tu as ton objectif, c'est d'avoir quelqu'un de sérieux et de t'engager. Sauf qu'en même temps, si t'es quelqu'un de passionné, je vais donner comme exemple, moi, je suis passionnée. Si la personne n'a aucune passion, même s'il est vraiment sérieux et est intéressant,
j'ai du fun avec. Si je ne vis pas la passion, ça ne durera pas. Mmh. Moi, c'est ma porte d'entrée. Donc, c'est très important pour moi dans la relation. Ça va être le point que pour, mettons, 70 %, pas 70, mais mettons 55 % juste dans passion. Puis, je vais limiter l'autre 45 dans les deux autres. Donc, ça dépend. Mmh. Qu'est-ce que l'avenir te réserve, Eleni? On sait que tu travailles sur beaucoup de programmes, puis on te voit sur des balados à la télévision. Quels sont tes prochains projets? Je prends une formation de yoga pour devenir enseignante de yoga. Ben oui, c'est pour le plaisir. C'est comme j'en avais pas assez à faire. Je m'en vais là, j'ouvre un podcast dans pas long qui va s'appeler Heal pour donner vraiment beaucoup d'outils d'auto-guérison. Puis pour pouvoir calmer certaines émotions que des fois on prend trop le focus là-dessus puis on les regarde avec une loupe, de vraiment arriver à tempérer puis aider les gens à tempérer à travers ça. Je suis en train de développer version 2.0, les programmes, mais les programmes puissance 2.0 avec ça. Donc, je suis en train de travailler là-dessus avec mon équipe. Donc, il y a beaucoup de choses, des tournages de capsules YouTube aussi. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Restez à l'affût. Ça fut un plaisir de te parler, Eleni. On va continuer à te suivre sur les médias sociaux, surtout pour avoir des trucs et astuces et vraiment des connaissances pour pouvoir identifier la personne pour nous. Alors, merci d'avoir été des nôtres.